Brazzaville et Bruxelles sont de plus en plus proches, comme le démontre la réception d'une délégation belge par le Premier ministre Anatole Collinet-Macoso. Théodora Gentis, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, a informé le chef du gouvernement de l'arrivée prochaine d'un ambassadeur belge. À Brazzaville, elle a également abordé la question sécuritaire en Afrique. Nous avons eu l'occasion euh, de, de souligner l'importance des relations bilatérales avec la République euh, du Congo. Euh, nous avons, j'ai aussi eu l'occasion d'annoncer de, de manière euh, formelle euh, au Premier ministre notre intention et notre décision de rehausser Uh, notre présence diplomatique ici uh, à Brazzaville, puisque à partir uh, de cet été, uh, nous aurons uh, un ambassadeur qui sera nommé uh, ici en République uh, uh, du Congo. Et il nous semblait essentiel de pouvoir venir uh, personnellement annoncer uh, cette excellente nouvelle uh, à. Monsieur le Premier ministre, nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur euh, la situation dans la région et donc j'ai eu l'opportunité également de pouvoir euh, recueillir l'avis du Premier ministre, son analyse euh, en tant que personne bien entendu en première ligne dans la situation et puis euh, euh, de partager les positions belges en la matière. L'arrivée d'un ambassadeur du Royaume de Belgique à Brazzaville renforcera davantage les relations bilatérales avec le Congo favorisera la coopération et contribuera au développement des liens politiques, économiques et culturels entre les deux pays.